Et à propos d'un monde fou fou fou, on peut dire que Poiret et Serrault maintenant sont dans un monde folle, non, non, à peine. Je ne comprends pas ce genre d'allusion, vraiment. Oh non, mais non. D'ailleurs, moi j'ai décidé de ne plus y répondre. Alors, vraiment, c'est pas parce que subitement on joue des personnages qui sont des personnages de théâtre, qui sont des personnages de comédie que. Un peu précieux. Qu'à la ville, on conserve le même style. Oui, mais enfin, c'est vous, Jean Poiret, qui avez écrit cette cage aux folles. Vous êtes, je crois, un petit peu en ménage, non, avec Michel Serrault. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je vous demande si vous êtes en ménage avec Jean-Paul, vous? Oh. Alors, que vous faites passer pour votre frère depuis des années? C'est peut-être bien votre mari, alors, on ne sait pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Hein? Oui, alors qu'est-ce qui se passe dans cette cage aux folles? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est la vérité. La cage aux folles, c'est à la location en ce moment, Dieu merci, parce qu'on en profite, on a pu remarquer. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien, ce sont des messieurs qui se mettent en dame, quoi. Ça arrive partout, ça arrive tout le temps, hein. Mais c'est un vieux couple, alors. Oh, c'est un vieux. Moi, tu sais, je sais pas ce que tu fais, moi je vais partir. Hein. Si continue mais à être déplaisant. Si continue à être déplaisant. Je te jure. Tu sais, je suis bien capable de lui lancer mon petit micro oui, à la tête. C'est ce que, oui. Oh, je lui lance mon petit coupe, micro. Je lui coupe le son. Oh, tu sais. T'as un vieux couple, c'est pas un vieux couple, on peut pas jouer de toute manière les protagonistes d'un vieux couple, enfin, n'exagérons pas. Non, ça... Oh, bah tu sais. Oui, je sais bien. Avec le maquillage. C'est un couple normal, simplement que ce sont des gens qui vivent ensemble depuis une vingtaine d'années, mais ils font le métier de travesti. Mais alors, la seule différence, c'est qu'au lieu d'avoir un monsieur et une dame, comme ça se passe généralement dans les couples tels qu'on les a envisagés jusqu'à présent, cela, c'est un monsieur et un monsieur. Mmh. C'est la seule différence. Il s'ensuit toute une série de travestissements que je ne vous dirai pas ici parce que vous n'avez qu'à acheter vos places roulantes. Voilà. Alors, c'est à quel théâtre alors? Hein? C'est au Palais Royal. Ah bon, alors dites-le. Ben, c'est donc comment, c'est au Palais Royal? C'est au Palais Royal, hein? C'est bien au Palais Royal. Ça ne pouvait pas être au Palais. Ben, c'est donc. Bien, merci. On arrivera à dire des choses, vous savez, alors. Ben.